Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kiery. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour un moment de partage, de la parole, de louange, de prière, de distance, distancé de, sur la surface de cette planète. Dites-moi d'où vous venez ce matin, la ville, le pays. Et on va démarrer cette matinale avec un chant. Évidemment, je l'ai fait plusieurs fois ces temps-ci, mais je crois que c'est un chant qui est approprié avec tout ce qu'on vit. I speak Jesus, je vais parler. Ça se traduit pas littéralement, je parle Jésus, mais je vais déclarer le nom de Jésus ce matin et le nom au-dessus de tout nom. Et je vais saisir ma victoire. On y va ensemble. Petite lèche du bord pour les paroles de ce matin. Je veux élever le nom de Jésus pour les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Je veux élever le nom de Jésus pour rendre libres tous les opprimés, pour apporter l'espoir et la liberté. J'élève Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom. Les chaînes sont brisées, l'ombre est consumée, brûle comme un feu. Je veux élever le nom de Jésus pour libérer de l'angoisse et la peur, pour guérir les âmes de la douleur. J'élève Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom est vie. Les chaînes sont brisées, l'ombre est consumée, brûle comme un feu. Chante Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans la noirceur contre tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'élève le saint nom de Jésus. Ensemble, chante Jésus. Chante Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans la noirceur contre tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'élève le saint nom de Jésus. Oh oui, chante Jésus. Chante Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues. Jésus dans la noirceur contre tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'élève le saint nom de Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom est vie. Les chaînes sont brisées, l'ombre est consumée.
âme et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Oh oui, j'élève Jésus. Le thème de ce matin, si tu reviens à moi, si tu reviens à moi. Dans Jérémie 15, 19 à 21, c'est pourquoi voici ce qu'a dit l'Éternel, si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je serai moi-même avec toi pour te sauver, te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents. Jérémie était probablement parmi les plus grands prophètes de Dieu, mais il était humain. Et cette lecture nous donne un aperçu de son humanité. Juste avant ces paroles de la part de Dieu, Jérémie l'accuse de ne pas l'aider. Le Seigneur lui rappelle qu'il doit influencer le peuple et ne pas se laisser influencer par celui-ci. Et on peut voir trois choses ici importantes dans ce texte. Premièrement, lorsque nous prenons du temps dans sa présence, nous pouvons lui exprimer librement nos pensées et nos cœurs. Deuxièmement, peu importe les situations, Dieu désire qu'on lui fasse confiance. Et troisièmement, notre mandat est d'influencer les autres et non le contraire. Alors évidemment, ça aurait été plus facile pour Jérémie d'acheter la paix et de se joindre à la majorité populaire. Et comme le texte le mentionne, ça dit, c'est à eux, comme Dieu lui dit, c'est à eux de revenir vers toi et ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Alors soyons honnêtes, ça prend un certain courage, une certaine détermination pour rester dans nos convictions. Le pasteur Howard Gunther disait, il suffit juste de regarder à notre société aujourd'hui au cours des 50 dernières années. Dieu et la prière ont été retirés de nos écoles publiques. Des lois ont été promulguées qui font que tout étalage de christianisme sur les propriétés du gouvernement, c'est une infraction pénale. Imaginez, la prière publique est découragée dans la plupart des lieux publics. L'avortement est devenu une pratique acceptable et le mode de vie des homosexuels est également devenu une pratique acceptable partout. Tout devient acceptable maintenant, tout est OK. Hey, free for all. Hein? La liberté. Wow. Et la source du problème de bien des maux de notre société provient de cette attitude de « je m'en foutisme de Dieu ». Alors comprenons que notre monde ne peut pas mépriser Dieu, le ridiculiser, le mettre dehors de partout, l'ignorer sans que nous en subissions les conséquences. Ça prendrait un mouvement, je dirais, de repentance mondiale, mais on est loin d'être rendu là, n'est-ce pas? Mais c'est quand même hallucinant de voir et de constater au travers cette pandémie que le cri du cœur est pour un vaccin et non pour une intervention divine. On est rendu là, je crois qu'on est rendu pour une intervention divine. Je crois que les vaccins, c'est pas mauvais non plus, mais on est rendu quand même, ça va prendre une intervention divine. Vacciné égale personne immunisée contre une maladie infectieuse. C'est ça que ça veut dire, être vacciné. Une personne immunisée contre une maladie infectieuse. Jésus a quitté sa gloire pour venir verser son sang, non infecté par le péché, pour nous vacciner de son amour et afin que nous soyons immunisés contre le péché. Là, ne m'envoyez pas des textos pour me dire « Est-ce que tu es pour le vaccin, contre le vaccin? » C'est personnel. D'accord? On arrête cela? Parfait! Alors, Jésus est venu nous vacciner de son amour afin que nous soyons immunisés contre le péché. Alors, on ne s'en sort pas depuis presque qu'une année maintenant, mais on n'a pas besoin de toi, Seigneur. C'est ce qu'on lui répond dans le fond, dans notre comportement. On n'a pas besoin de toi, Seigneur. On va s'en sortir tout seul. Comprenons qu'il y a seulement Dieu qui peut renouveler l'intelligence de l'homme. Alors, pour cette raison, nous devons prier
pour nos personnes en autorité, afin qu'ils reçoivent une sagesse, un discernement dans les décisions à prendre. 1 Corinthiens 2, 12, ça dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Vous savez, le combat que nous avons est avec l'esprit de ce monde, toujours plus connaissant, mais ne parvenant jamais à la vérité, car les cœurs sont fermés et les yeux sont voilés. Alors, ils ne connaissent pas les bienfaits de Dieu qui sont donnés par sa grâce. Ils ont juste à saisir. On a juste à saisir, mais c'est trop facile. Ça semble trop facile, la grâce de Dieu. Dieu dira à Jérémie, je ferai de toi un mur de bronze, dans le texte qu'on a lu ce matin, je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver, te délivrer, déclare l'Éternel. C'est le Dieu que nous servons ce matin. David dira dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. » Qui devrais-je redouter? Ouais, ça me rappelle toujours un chant, je pense que je l'avais déjà mentionné, mais c'est un chant. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Oh, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous serez d'accord que lorsque vous devez assembler peu importe la chose que vous assemblez, que vous achetez, et vous avez il y a un besoin d'assemblage, vous devez vous référer ou retourner au manuel du fabricant, car il se peut que nous ayons omis de faire quelque chose lors de l'assemblage et ça fonctionne pas. Alors, voyez-vous, notre société a décidé de construire sa vie sans le manuel du fabricant. Et il reste plein de morceaux de couples brisés dans les mains, plein de morceaux de jeunes hommes et jeunes femmes désorientés, plein de morceaux de personnes qui désirent se suicider et qui sont déprimées. C'est triste, ça. Prions afin que ces personnes reviennent à l'essentiel égal Jésus. Prions afin que nous soyons une influence pour que des personnes viennent et que des personnes reviennent à Jésus durant cette nouvelle année. Alors, ce matin, on va aller alors simplement vous dire, c'est justement, revenons à Jésus ce matin, revenons à l'essentiel afin de voir la gloire de Dieu être manifestée dans le cœur et dans la vie des gens. Alors, on va aller dans les sujets de prière ce matin. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, Laurence, afin que tu la touches à l'instant de la tête aux pieds. Et Seigneur, que toute infection de pneumonie soit complètement anéantie dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ceux qui ont des tendances suicidaires, Seigneur, alors que plus de 800 000 personnes se suicident à tous les ans. Seigneur, quelle tristesse. Merci, Seigneur. Seigneur, alors que nous sommes là ensemble, Seigneur, ce matin, il y a des gens qui sont déjà en mode de penser à s'enlever la vie. Alors, merci de les visiter maintenant dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Visite ceux qui sont désespérés. Merci, Seigneur, de ta lumière qui va, Seigneur, briller dans leur cœur maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, nous t'élevons, Julie, afin que tu campes tes anges autour d'elle et afin qu'elle soit sous ta protection. Merci de l'envelopper de tes bras d'amour et que l'homme en question soit arrêté, Seigneur, par la justice rapidement. Merci de ta fidélité envers Julie. Et merci de la bénir dans cette période difficile, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour Shama, qui vit des moments seul et isolé et qui est sans famille. Merci de l'envelopper de tes bras d'amour. Et Seigneur, qu'il soit conscient que tu es là, conscient que tu marches devant lui et que ton regard est attentif à lui, ton oreille est attentive. Merci pour mes frères et sœurs, de les bénir, de les combler ce matin. Dans le nom de Jésus, merci pour ta fidélité et ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur et ta splendeur dans le nom de Jésus. Merci pour qui tu es Seigneur. Alléluia. Oh yes. Je veux élever le nom de Jésus.
les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Je veux élever le nom de Jésus pour rendre libres tous les opprimés, pour apporter l'espoir et la liberté. J'élève Jésus. Ensemble. Ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom. Sont brisés, l'ombre est consumée, brûle comme un feu. Je veux élever le nom de Jésus pour les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Oh, je veux vous souhaiter une excellente journée bénie et, Dieu voulant, on est ensemble demain matin.